Il est spécial. Ouais. J'arrive pas. Elle m'a triste, mais tu vois qu'il y a personne. Pas besoin d'aide. Faut les chercher eux par contre. J'ai solo une game maintenant. Bah alors, t'as plus flash? Bah alors. Avant les joueurs coréens. On va accueillir les joueurs de la Carmine Corp, mesdames et messieurs. Donc, en commençant par la top lane, lui aussi, il vient de Corée du Sud, bien sûr. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Kana, le top laner de l'équipe. Kana, 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 Kana. Tu fais quoi avec cette équipe de pute 08 SZ? Ça fait deux jours que j'ai pas joué à LOL! Allez, fais enculer, gros! Arrête de plaindre, Tiki! Mais Niski, t'as pas des mythes comme ça, la vie de ma mère maintenant! J'appuie sur tab, regarde, j'ai 350 LP! Si, j'ai tout le temps des mythes comme ça! Mais il faut que j'ai 1000 LP pour avoir des vrais joueurs, il est en 10-0 le mec en face, frère! C'est pas bon! Oh, la vie de ma mère, j'arrête tryhard! La tête de ma mère, j'arrête tryhard! Juste en fait, c'est bonne chance, je pique mon champion et je gagne, je perds, ça sera plus gros, ça sert à rien. Je travaille juste les étapes au point de tour, c'est tout, frère. Vous avez mérité une nouvelle écoute de Marek Skimitrobalas. Et merci Karim pour le subgift à énorme caca puant. Ouais. Bon, on va en faire une sur le Smurf, I guess. Gotesque. De toute façon, dans tous les cas, c'est pas un timing où j'ai envie de R. Je veux attendre mon level 11 là. Ils ont. Gros gros rumble. Ah, il a fait une bonne game, hein. Look, look, look. Il y a un mot qui m'a fait. Il en fout très bien avec son rêve, parce que là, il a cette tête là en jouant Ivern. Ouais, mais il voulait juste setup le combo avec Rengar. Il parle à Daisy et tout, ouais. Game. Du fucking up Daisy, c'est ça. Ah, c'est vraiment un clown ce mec. Les gars, et moi je le jure maintenant, tous ceux qui me contredisent, vous ne savez pas jouer au jeu et je le jure, c'est testé et approuvé. Je joue tous les jours, je suis streamer League of Legends, je joue au jeu depuis 10 ans. Et cette saison, je peux le jurer que mid lane, c'est le pire rôle en solo queue et je le jure, la vie de ma mère, je peux rien faire. Je n'ai pas le jungle, pas le support, je ne peux pas jouer au jeu. C'est le pire rôle en solo queue. Top laner a des cassantes et tout, des persos comme ça, jungle, bah ça fait plus la nuit des temps, c'est le meilleur. Je pense qu'elle te tue pas, mais. Pas loin, elle presque te force à flash, ouais. Et voilà, t'as perdu 30% de THP sans avoir TCD, donc... Katarina, c'est juste une question de champion de con, tu vois, c'est... Elle va te punir si t'as pas TCD et que tu t'avances. Elle va pas te punir si t'avances et que t'as TCD. Katarina, c'est pour moi l'un des meilleurs champions à lane contre pour comprendre si t'es mauvais au jeu. Désolé de dire ça, par contre.
Lane, Katarina, moi je déteste jouer contre ça, non pas parce que je sais pas jouer lane contre, mais parce que je sais très bien que à un moment ou un autre, elle va skip de wave que je ne pourrais pas empêcher, elle va prendre des kills sur un, bah, sur un teammate qui est abruti. C'est ça qui est le problème. C'est tellement un dive en gueule. Mais... mais... Grandmaster ! Sur mon Shaco en fufu à côté, ou Akali... Vu que c'est une petite pute et qu'elle veut pas, elle veut pas m'inver, hein. Enfin, elle a pas les couilles en tout cas. Oh là... oh la dinguerie... Vas-y, j'ai rien dit. Qu'est-ce que tu as pensé de Vladdy, le nouveau midlaner de l'AKC ? Quel est ton avis sur ce joueur ? Il a un super bon niveau, mais j'avoue que ça fait très longtemps que je n'ai pas rejoué LOL. Donc je suis d'accord qu'il a un super niveau. Bon, Vladdy est fort, hein, mesdames et messieurs, a priori. C'est validé, c'est validé. Le Jayce défend. Magnifique, la stop watch. Mais ce ne sera pas suffisant, malheureusement. Ça, ça c'est bien joué. Ça c'est bien joué. Ça c'est du beau jeu. Ça c'est du clic là. Là ça clique. Je vous l'ai dit que la Kai'Sa elle clique. Attention, attention, attention. Attends, oh, ça brûle, ça brûle. Oh, ça, ça brûle de Zenzito. Va vite quand attention. Même. Oh là là, ultime, Fediven, ultime Rumble, Corki. Santé, Xanté qui zone, Xanté qui zone tout le monde. Santé qui zone, SLT. Regardez SLT, il file à enlever de mission. Ils sont tous morts. C'est parti de la Chine. Ancestral récupéré. Et c'est la TDS on fire. La TDS est en 2-2, messieurs dames. Et on passe 5ème du classement. 5ème, top 5 la team. Les playoffs sont emportés. On lâche rien. Allez sur le bazou de Sleepix. Bien bien galbé, hein. Ça décale, je crois que c'est sur vous, hein. Il y a ces jeunes. J'arrive, j'arrive. Essayez de tempo, hein. Bien joué ça. Nice. Oh non, non, t'es une légende, Wouhou. Ça arrive, c'est pas fini. Oh mon dieu, t'es une légende. Y'a qu'à ça sur moi. Daro, Goldpok. Lui, tu sers un pin. Lui là, c'est gros, c'est gros ce perso. Juste le truc, c'est que notre compo, on doit jouer à 5, sinon on a un peu useless. Oh, quoi. Tu fais... What can you say as the guy who should be the leader in game? I definitely feel like I'm carrying a responsibility because of the support I have from you guys. Like I receive a lot of support, like everyone asking me every day, like how is your visa, how are you doing and stuff. So I'll do my best every day to improve and do well as a team. Hopefully, like we can make you proud. C'est un jeu de chance, les gars, moi je le dis, c'est un jeu de chance, voilà. Ceux qui sont pas contents, ils partent. Normalement, t'es en 2-0 à 150 kills. Toi, normalement, tu fermes ton cul quand quelqu'un joue, d'accord ? C'est comme la pétanque. On parle pas quand on tire.